Priya, je suis à l'un de ces machins volants. Ok, il doit y avoir un truc à scanner, genre un panneau de contrôle. Ça devrait permettre de trouver la source. T'es là ? Je t'ai envoyé des données. J'ai bien reçu. Ok, attends. J'ai donné un déclencheur d'énergie. Elle se rencontre près de toi. Et si tu la coupes, ça devrait tout détruire. Ne te fais pas piéger dans l'explosion. Ça a marché ! Le ballon est à terre. Taylan, tu pourrais... On dirait un réseau entier de signaux. Taylan, préviens-moi si le signal s'affaiblit, d'accord ? Tu as quelque chose, Taylan ? Le signal est encore puissant. Mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Après tout, il fait rien de mal. Il fait plus de mal que tu ne le penses. Je dois le... J'en ai eu un autre. Mauvaise nouvelle. Ces appareils continuent de renvoyer le signal. Il faut que tu remontes à sa source. On dirait qu'il transmet depuis un lieu proche. Le site de la RDA près des colonnes de pierre. Et Toa est là-bas. Tu penses que tu vas combattre des humains là-bas ? Ils ne vont pas me laisser faire, Taylan.
Est-ce que tu les vois en bas? Et en haut? Plus pour longtemps. C'était leur tout dernier vol. Nous allons mettre un terme à leur mal. Que leurs cendres obscurcissent le ciel! Je vais attirer leur tir! Taylan, je suis arrivé à l'avant-poste. Mais tu crois que c'est une bonne idée? Je peux entrer discrètement et tout à distraire les scorpions dans le ciel. Ce sera plus discret si tu utilises ton feed. Je vérifie si la base de données de la résistance a des plans. Peut-être que je peux t'aider. Vite,
On y va, Titine. J'ai perdu sa trace. Calme-toi, Tadou. Calme-toi. Et toi? Et toi, réveille-toi. Ouvre les yeux. Allez. Regarde. On a réussi. Tu les vois? Les fleurs s'ouvrent. Les Kinglords vont pouvoir se nourrir à nouveau. Je t'en prie. Je sais pas quoi faire. Ignorer la guerre. Tu es très jolie aujourd'hui. Tu as fait quelques... Et toi est blessé. Rassemble les chasseurs. Qu'ils préparent leurs Ikran. Toi!
C'est ta faute. Elle t'a suivi. Père, arrête. Arrête! Regardez. Ils sont en train de manger. Ils mangent tout seuls. Que leur est-il arrivé? C'était ceux qui viennent du ciel et leurs machines flottantes. Leurs étranges pulsations refermaient les fleurs et chassaient les Kinglers loin de leur nid. Il n'y a que le Sarentu qui m'a écouté. Il a vu ce qu'elles faisaient et il les a détruites, tout seul. J'ai essayé de vous prévenir. Je voulais que vous veniez avec moi. Mais finalement, c'est un Sarentu qui a sauvé notre clan. Ça suffit. Et toi as raison. La guerre est à nos portes. Et Ewa crie sa douleur. Ce cri, nous ne pouvons plus l'ignorer. Et toi et moi, nous tiendrons à vos côtés. Et nous mènerons notre peuple. Ensemble. Leurs mains ne seront plus jamais tachées de notre sang. Nous allons chasser ce fléau de nos terres et de nos cieux. Pour nos enfants. Pour leurs enfants. Pandora sera libérée! Je te l'avais dit. J'avais foi en toi depuis le début. Tu as bien grandi. Es-tu prêt à endosser ce rôle, guerrier du peuple, pour que les clans sachent que les Aranahe ne reculeront pas devant le combat ?